Musulmans et chrétiens, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous saluer, je crois, d'un grand et beau salut d'amitié, de fraternité. Nous sommes des frères, et c'est bon de se le dire cet après-midi. Merci à vous d'être tous présents ici. C'est extrêmement impressionnant. Je suis vraiment très ému d'être dans cette magnifique basilique. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتخرك واستفاك على نساء العالمين. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Nous sommes ici ensemble à cause de Marie, rassemblés par la parole de Dieu avec nos différences. Pour nous, Marie, est ce signe que nous pouvons croire à l'amitié comme force pour changer le monde alors que ce monde est occupé par la force. Et voilà que Marie est là, elle est là avec nous. Nous sommes, nous, catholiques, certains que son Fils sauve le monde et qu'il le sauve parce qu'il instille son amour. Ces derniers temps, j'aime à rappeler aussi ces passages de la sagesse de l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et pour toutes les activités sous le ciel. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et notre temps aujourd'hui, et celui du recueillement, mais aussi du rassemblement. Grâce et avec et par Marie. Dieu est pur amour, et pour lui rien n'est impossible. Et la figure mariale, pour moi, a été ce message d'espérance. Pour moi, cet amour absolu de Marie pour son Créateur, c'est le vrai et l'unique chemin. Nous sommes des passants sur cette terre, et Marie, la Reine des anges, Marie, ma mère, me conduit vers Dieu que j'appelle Père. Finalement, ce n'est pas un hasard si Marie, c'est l'anagramme du mot « aimer ». Elle semble nous dire à nous, Français, est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin? Ce que j'attends de vous, c'est que vous aimiez sans mesure. Et je pense qu'il faut continuer à se mettre sous le voile de Marie. Comme elle dit à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Marie reste pour nous, chrétiens et musulmans, une éducatrice à la paix. Elle a reçu la béatitude de son Créateur, et elle a été choisie et purifiée de toute souillure. Elle reste notre modèle et notre éducatrice. Bonne fête à vous, musulmans et chrétiens de France, du Liban et dans le monde entier.
Ô Seigneur, c'est dans ton infinie miséricorde que nous cherchons le salut. Toi qui as envoyé Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle à la Madone des femmes, sur terre comme au ciel, donne-nous d'aimer la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame. Ensemble, avec Marie, vous allez devenir nos ambassadeurs. Le cœur rempli d'émotion et de gratitude pour ce moment autour de Marie, nous terminerons par deux gestes symboliques. D'abord, pendant cette rencontre, les enfants ont peint une fresque, l'arbre de vie. Vous êtes tous invités en sortant à y déposer vos messages. Et puis, autre geste symbolique de fraternité et de paix, toujours au même endroit, un lâcher de colombes. Qui porteront d'une certaine manière au monde nos messages de paix entendus aujourd'hui.